505, un nom qui fait tout de suite penser à Peugeot. Moins connu que la 504, moins connu que les autres séries 05 comme la 205, la 405 ou la 605, elle avait une gamme complète. Aujourd'hui, celles qui nous intéressent sont les méchantes, sont les versions turbo. La 505 apparaît en 79 et la version turbo en 83. Le moteur, c'est le Chrysler 2 litres 2 que Peugeot a récupéré en absorbant Simca. Préparé chez Porsche, il sort 150 chevaux dans sa première version. Dans la deuxième version, avec un échangeur, on atteint 160 chevaux. La voiture, on la reconnaît de la 505 diesel du voisin avec sa peinture biton et les jantes qu'on apparente à celles d'une 504 V6 ou une 604 STI. La deuxième série de la 505 aura même droit à 180 chevaux sur des autos qui filent à 210 km/h. Mais on pouvait pas venir au musée de l'aventure Peugeot sans vous montrer celle-ci. C'est une Peugeot 505 Turbo coupée. Elle est commandée par Peugeot à Cars & Concept pour le marché américain sur lequel lorgne alors le Lion. Elle ne sera pas commercialisée et ce concept de 83, ramené en France au moment où Peugeot se désengage des USA, vous ne le verrez qu'ici.